Cher Thomas, bonjour et merci. Vous me faites énormément plaisir à titre personnel, mais j'imagine pour d'autres aussi, parce que vous allez mettre à l'honneur dans votre visite guidée un écrivain que je trouve personnellement génial, Jean Echenoz, et particulièrement gentil, avec une œuvre qui est assez étonnante. Vous n'êtes pas le premier à le dire. En fait, ce qui se passe avec Jean Echenoz... Bon, alors, Jean Echenoz, d'abord, c'est un de nos romanciers français aujourd'hui. Oui. Les plus, il a obtenu le prix Goncourt, il a obtenu le prix Femina, le prix Médicis, le prix de la BNF. Bref, c'est un auteur qui est très récompensé. Mmh. On dit de lui qu'il a une écriture très minimaliste. Il arrive à avoir le mot juste. Ouais. Et il a une œuvre qui est complètement pléthorique. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des romans qui sont géographiques dans lesquels on va vous balader aux quatre coins de la planète. Et puis, de l'autre côté, vous avez des biographies absolument extraordinaires. Oh, très belle. Voilà. Et toujours avec, justement, cette espèce de justesse dans l'écriture. La plupart du temps, lorsqu'on a une exposition sur un écrivain, il est mort, l'écrivain. Et donc, on va avoir des spécialistes qui vont vous expliquer ce qu'il pensait, comment est-ce qu'il faisait son œuvre. L'avantage avec cette exposition qui se déroule à la bibliothèque du centre Georges Pompidou, c'est qu'évidemment, comme Jean Echenoz est encore là, il a pu participer à l'élaboration de cette exposition, vérifier évidemment les partis pris des commissaires. Et qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette exposition? D'abord, pourquoi s'appelle-t-elle Rotor Stator? C'est quand même pas facile. Rotor Stator. Ensuite, comment est-ce qu'il travaille, Jean Echenoz, et surtout, d'où puise-t-il toute cette imagination et quelle est sa source pour faire sa littérature? Imagination ou pas. Ou imagination ou pas, et bien toutes les réponses sont bien entendu dans la visite guidée. Pourquoi cette exposition s'appelle-t-elle Jean Echenoz, roman, Rotor Stator? Eh bien, ça fait allusion à deux de ces personnages qui, après avoir fait un tour du monde, se retrouvent complètement exilés dans une île. Et là, ils ont l'impression d'être enfermés. Eh bien, c'est le paradoxe du Rotor Stator. Le Rotor Stator, c'est la pièce d'un moteur. Et en fait, tout simplement, le rotor, il tourne, enfermé dans le stator. Et c'est ce dispositif qui produit de l'énergie. Eh bien, c'est peut-être une des clés des romans de Jean Echenoz, c'est que parfois, l'immobilité est au cœur du mouvement. Attention, avec Jean Echenoz, vous allez réfléchir. Alors, quelle est la source de son inspiration? Ben, il en a beaucoup. Mais notamment, un jour, il déménageait le grenier d'un grand-oncle par alliance, et là, il tombe sur les carnets de guerre 14-18 du poilu Constant Oex. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous ses petits carnets, un par un, et il les a recopiés intégralement, à la main. Vous vous dites, mais c'est pas possible, il pourrait avoir un assistant pour faire ça. Eh bien, pas du tout. Il tient justement à faire le travail lui-même de retranscription. Pourquoi? Parce que c'est ça qui lui permet de se nourrir pour notamment écrire un de ses plus beaux romans, 14. Et puis, à un moment donné, Jean Echenoz s'est passionné pour les biographies. Alors, il a fait Maurice Ravel, Émile Zatopek et la vie de Nikola Tesla, inventeur absolument génial qui découvre le moteur à thermomagnétisme, le courant alternatif, le radar, mais qui ne dépose jamais aucun brevet. Distrait. Alors, pour les titres, attention, Jean Echenoz est toujours dans l'épure. Émile Zatopek, c'est courir. Ravel, c'est Ravel, bah oui. Et Nikola Tesla, c'est des éclairs. Bah oui, parce que, attendez, Jean Echenoz, trouver des titres, il a pas que ça à foudre, hein. Ce qu'il y a de passionnant dans cette exposition, c'est que vous allez pénétrer au cœur de la fabrication d'un roman. Vous prenez Cherokee, le premier roman dont on a parlé au départ. Vous savez, avec Rotor Stator. Il y a plus de 11 personnages et tout ça, ça s'entremêle, c'est un petit peu foutraque. Comment fait l'auteur lui-même pour s'y retrouver? Eh ben voilà, il a accepté de vous révéler son truc. Il fait des fiches et il a fait un code couleur par personnage. Vous pensiez que c'était tout dans la tête? Eh ben non, non, non. Parfois, dans le génie, il y a aussi de l'astuce. Et pour terminer, pour la première fois dans cette exposition, vous allez découvrir les manuscrits et les tapuscrits originaux de Jean Echenoz. Alors, manuscrit parce qu'au début, il écrivait à la main, tapuscrit parce qu'il tapait à la machine, et aujourd'hui, il a un ordinateur. Et vous vous dites, avec un ordinateur, c'est plus simple parce que les corrections, il suffit de faire des sauvegardes. Eh bien, pas du tout. Même avec son ordinateur, Jean Echenoz réécrit entièrement ses romans à chaque fois. Version 1, version 2, jusqu'à 5 versions qui sont réécrites. Pourquoi est-ce qu'il réécrit? Eh bien, pour garder le sens du rythme. Et comme disait Boileau, hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et perso, vous avez préféré quoi, vous, dans l'expo? Alors moi, ce que j'adore dans cette exposition, c'est qu'on rentre dans la tête de l'auteur. On rentre vraiment dans... On comprend mieux, en fait, ses œuvres. Et d'ailleurs, cette exposition va vous donner envie de lire Jean Echenoz. Moi, je pense qu'en fait, la meilleure chose qu'on ait à faire avec Jean Echenoz, c'est d'aller découvrir. Alors, soit vous êtes attiré par le côté, les biographies, etc. Donc, vous pouvez aller sur les trois ouvrages qu'on a cités, oui. C'est-à-dire Courir, Ravel ou Des éclairs. Soit vous aimez bien les histoires un peu foutraques, etc. Et là, vous pouvez aller sur, effectivement, Je m'en vais, sur
sur Cherokee, sur ou alors vous pouvez avoir 14 si vous êtes, vous avez vu cette fascination accessible, qu'il a pour. En fait, comme auteur. Je vais vous dire, vraiment aujourd'hui, là, on a la chance d'avoir un auteur qui s'est livré à un jeu absolument extraordinaire, qui s'est livré tout entier dans la construction de ses livres. Vous pouvez y aller, c'est à la à bibliothèque publique d'information du centre Georges Pompidou. Oui. Voilà. Et c'est jusqu'au. Oh, on a du temps. 5 mars, je crois. Jusqu'au 5 mars. Jusqu'au 5 mars. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Thomas.